Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hearts of Iron 4 avec l'Union Britannique. Alors, hier on avait commencé à taper assez fort sur la tête de l'Axe. Enfin, quand je dis assez fort, c'est quand même un sacré euphémisme. Hein. On est en train de leur démonter la tronche, de les écraser, de leur balancer un petit exterminatus dans la gueule. Et ça fait quand même beaucoup de bien de voir tout ça. Alors, et sachant que cet épisode fait deux fois que je le tourne, enfin deux fois, que je commence à le tourner, il y a eu un joli crash du jeu, j'espère que ça n'a pas continué, que ça n'a pas recommencé. Ça commence à être un peu tendu pour avancer. Bon, ça c'est normal, je pense. C'est surtout... Tac, tac, parce qu'on a plus... Il n'y a plus d'organisation. Donc on va arrêter les offensives pour le moment. Pour le moment, on va continuer bien évidemment. J'ai le temps de récupérer. Oh, on s'est un peu chopé. Ah, c'est juste le temps de récupérer l'organisation en fait. Bon là ils peuvent essayer, hein. Ils ont plus de matos, on a récupéré tout le... Toute la puissance industrielle allemande, il n'aurait pas de soucis particuliers. Bon, je vais faire attention à l'Espagne. Mais c'est pareil, je pense pas qu'il présente vraiment un réel danger. Ça a combien de pertes l'Espagne? 300 000, ça va quoi. Faudra casser la gueule de l'Italie également. Submarine Spitfire, cool. On peut améliorer nos avions. Pardon. Spitfire. Qui sont mes avions préférés. Le Mexique, non. Vas-y, intégré dans un an, ça me va. On se dit que mon impact de mon agression, c'est plutôt crevé. Donc on va vous rouler sur la couenne. Ce qui est bien, c'est que là, il n'y aura que du japonais. En tout cas, ils n'ont pas vraiment envie de venir nous péter les dents, les japonais. Ça nous arrange quand même plutôt pas mal. Pas de Calais. Pas de Calais pour l'intégrer. Ouh. Ok, maintenant... On y retourne ? Voilà. On a combien de pourcents, tiens? Pas fait gaffe. On est qu'à 5%. Ah putain, pardon. Qu'à 5% de manpower. On va récupérer nos petits chars. Non, deux jours. Et l'Allemagne va capituler et... Eh les gars, foncez! Rendez votre reine votre roi fier. Ah, c'est bien un roi. Ouais, roi George VI, c'est ça. Et voilà, nos petits chars qui vont faire très plaisir. Tac. On va les envoyer où? Pour en Espagne. Du côté de l'Italie, je pense. Tac. Et on va le mettre en bleu. C'est foncé sur Rome. Australie demande un pack de non-agression. Ah non. Ah non, non, non. On va vous casser les dents. Ah, ils ont peur de nous. Hein. Ah, ils ont des boules. On
faudrait qu'on arrive à choper le nord d'Italie, c'est là où il y a toutes leurs industries. Ils sont classe. On va jouer l'Espagne un jour, hein, parce qu'ils sont vraiment classe avec ce mode. Entre ça et ça, c'est génial. Je sens qu'on a aussi quelques unités plutôt classe. Hein. Là par exemple. C'est à cause des unités coloniales? Ah non, c'est parce qu'on a récupéré une nouvelle arme, je crois que c'est ça. On a pu avancer. C'est un peu chiant, on a pu avancer. Ce qu'on va faire, tout le monde aura été attaqué. Il y a que les Espagnols qui vont continuer à attaquer. Enfin, en tout cas ceux qui sont en Espagne. J'aimerais bien faire capturer l'Espagne assez rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt? On va les envoyer là. On va couper l'Espagne en deux. Ah non, non, ah non, en fait non. Je veux pas. Ouais, donc pourquoi faire capturer l'Espagne en premier? Tout simplement. Parce que comme ça on pourra refaire les les plans sans problème quoi. Parce que là il y a plein d'unités qui sont là, je sais pas où sont les autres, je sais pas où sont toutes les unités. Donc on va faire ça plutôt. Alors et vous êtes où? Vous êtes là. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Alors l'IA, tu m'expliques? Tu as bu l'IA? Parce qu'on dirait. C'est bon, il n'y a pas de navire, il n'y a pas de méchant navire. Ça aurait pu être catastrophique. Ah, putain, vraiment désolé. L'Espagne, ils attaquent bien. Allez-y, vous attaquez. Vous continuez d'avancer ou pas? Qu'est-ce qu'ils foutent? L'IA qui a complètement bugué. Ils ont récupéré... Ah mais putain, ils ont récupéré Berlin en fait. Ah mais il y a 19 divisions là-bas. Il faut vraiment faire capituler l'Espagne que je puisse refaire tout ça tranquillement et correctement. On a quand même... Ah putain, désolé. On garde quand même la grosse majorité de l'Allemagne. Comme ils sont en guerre de l'autre côté, ils devraient pas être tout si. Allez les gars. Voilà, les chars sont là. Allez, forcez dans le tas. Ouh, on a bloqué pas mal de divisions. Il va y avoir des morts. Il va y avoir des gens qui vont pas être très contents. Putain, j'ai même pas fait gaffe à ça. On peut restreindre l'autonomie de qui? Du Raj britannique. Cool. Voilà. Et on pourra peut-être bientôt l'annexer, ça c'est cool. Ça m'embête que l'Australie
ne soit plus notre pépette. Bon, on n'aura pas de soucis pour les buter de toute façon. On aura juste à attaquer par là, par là. Et ben voilà. Ouh, putain, 25 divisions. Il va y avoir des morts du côté espagnol. Hein. Il capitule quand? Eh, il n'y a plus personne. Les gens. Ça veut dire de repasser. On repasse à l'offensive, on récupère Berlin. T'es sérieux? Ils sont tous revenus? Bon bah, arrêtez d'attaquer. Hein. Compagnie de maintenance. Bah, allez l'Espagne, y a plus rien dans ton pays. Capitule! Un jour on va arriver, faire capituler ces gros cons. Allez! Vous avez plus personne! Vous aimez plus de division! Allez-y! Capitulez! Ah, il y a l'Italie et l'Allemagne qui essaient de défendre leur allié. À mon avis, ça va plutôt mal se passer pour eux. Ah merde, on était pas plus de 100 000. Ah ça fait un peu chier par contre. Merde, pas ça que je vais faire. Ah, quoi? Non. Non. J'ai pas une sauvegarde auto, il y a pas longtemps, genre on est le 8 avril. 1er avril, ouais. Bah tout ça c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, on y retourne s'il vous plaît. Comment j'ai fait pour tout supprimer? J'ai pas compris. Ça. L'artillerie avancée deux fois. Quel anti-char amélioré deux fois. Et les armes légères. Toujours plus. Masse d'armes légères. Beaucoup, beaucoup. Il faut une tungstène. Hein. Donne-moi une tungstène, Malaisie. Merci. J'en ai pas besoin en fait. Hein. Gardez vos trucs hein, pour vous. Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal. On va avancer en x5 hein, tant qu'à faire. Putain, y a même des Japonais. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Allez, mais capitulez, il vous reste plus rien, vous êtes fini de toute façon. Arrêtez de vous battre. J'ai récupéré Berlin, j'ai récupéré. Voilà, enfin. Bon. Tac. Et tac, voilà. Maintenant. C'est maintenant qu'on se marche.
Ok. Je sais pas où tu es toi de base, mais tu iras là. Tac. Ok, maintenant toi tu vas là. Tu vas également là. Et pour terminer toi, tu vas aller là. Voilà. Alors, toi tu es là. Tu vas là. Tu vas là. Tu vas là. Où t'es? Je t'ai mis où? Je t'ai mis là, ok. Tu vas là. Je t'ai mis où? Là. Donc, tu fonces là. Et toi, prends la botte. Pour finir, toi, tu vas jusqu'à Königsberg. Et voilà. Initiative de défense australo-américaine. Attends, t'es pas censé faire partir de l'association européenne, Australie? Mais l'Australie, elle fait n'importe quoi, hein. Elle est complètement pétée. Elle est complètement bourrée, l'Australie. Ah bah tiens, vous. Toi, là, et toi, tu vas aller là. Voilà, ça fait beaucoup de généraux. Tac, mise policière, pourquoi pas. Milice politaire, ouais, GG, bravo. Allez, attaquer, et ça se passe plutôt pas mal. En Italie, ils ont toutes leurs forces, les Italiens. On n'a pas encore pu récupérer un bout. Enfin, c'est un petit bout de leur territoire, le Piémont, mais sans plus. Donc c'est normal qu'on galère un peu. Quand même, les Allemands, ils sont pas de chance. Hein. Ils détestent le communiste et ils sont encerclés par l'Union soviétique et l'Union britannique. C'est trop bas. Oula. Peut-être éviter d'y aller en push retard cette fois. Sinon il risque d'y avoir des catastrophes, hein, je le sens ici, surtout. Bristol Beaufort, on est en 43. On augmente ça. Merde. Faire ça. Oh les queeners! Deux, il y a les ratons qui se battent encore. Ils sont classe, les Lituaniens, putain. La chute de Rome, les forces alliées sont entrées dans la capitale.
C'est trop bien. Oh, t'as quoi? Il a fait mal. Hein. Italiens sont à combien? 279 000 pertes. Ah, foutez de ma gueule, allez-y, capitulez, il reste Vienne. Il n'y a plus rien là. Ah, regardez, même les Soviétiques, ils ont commencé à avancer violemment. Ah, on peut réduire. Ah, on peut l'annexer. Eh bien, nous avons annexé le Rage. Et ça, c'est classe. Du coup. On s'en fout. Ok, je peux pas. Reste qui en dépendance. Hein. Ok, donc les trois là, je peux pas déjà. On prend la Malaisie du coup. Je sais pas trop quoi faire. Ok, ce que je vais faire, je vais leur accorder des pré-bails. Qu'est-ce que j'ai en trop? Rien. Bon bah, tant pis, on va laisser faire comme ça. Si on va juste faire la malice britannique. Oh les queeners! Allez, il faut que tu viennes tombe. Je suis limite à libérer mes pupettes pour pouvoir leur casser la gueule après. Je peux pas trop. Non, je peux pas. Et voilà, le Reich allemand qui capitule, c'est pas trop tôt. Voilà, on extermine ceux qui restent de l'axe. Il n'y aura plus qu'à faire capituler l'Italie. Et on en aura terminé avec cette première guerre. Enfin, cette première guerre, grosse guerre, on va dire. Allez, j'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver demain pour la suite. Bisous tout le monde.